Faire émerger les questions des élèves, c'est la partie la plus difficile de projet, à mon avis, la plus longue aussi. Tous les élèves ne s'autorisent pas ou n'ont pas la capacité de poser ou de se poser des questions. L'exercice est finalement abordé comme une tâche scolaire supplémentaire à accomplir. Certains ne s'impliqueront qu'après de nombreuses séances, après avoir acquis quelques connaissances. Et la question devient alors un puissant vecteur d'apprentissage. Voilà comment j'ai procédé pour espérer pouvoir faire émerger un questionnement vraiment fertile et au cœur de la démarche d'éducation par la recherche. En début d'année, j'explique à mes élèves le programme de sciences de l'année et je leur annonce que l'une des unités d'étude ne fera l'objet d'aucune leçon de ma part, qu'ils devront construire leurs connaissances et leurs compétences en équipe et grâce à leur recherche. Tout au plus, je les rassure en leur expliquant que j'interviendrai pour ma part sur le plan méthodologique, sur la gestion du projet, ou comme garde-fou si réellement la direction dans laquelle ils s'engageaient était trop loin des objectifs du projet.